Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les coloriages terminés du mois. On va commencer par ce bouquin-là, 50 Halloween miniatures. Et je me souviens que j'avais fait un colo duo avec Marina. Et je voulais vous montrer ce qu'il en était. Alors, on avait décidé de faire les trois premiers petit coloriage, donc j'avais fait ça. Moi j'avais choisi tout ce qui était en CDC polycolore et les Lyra et les Koh-i-Noor. Oui, ça, celui-ci, et j'ai utilisé du Pentel hybride doré pour faire le prénom. Deux, et normalement il y en a un troisième. Le voilà. Donc c'est un mix Koh-i-Noor, Lyra et un petit peu d'artiste rouge j'ai utilisé pour les contours. Mais vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose, là vous voyez un petit peu. Vraiment il n'y a pas grand-chose. Il y a plus de Pentel hybride ici. Ici dans les étoiles que utiliser dans les contours. Voilà, ces trois coloriages là. On s'était bien amusé avec Marine. Après, dans celui-ci, dans le Alice au pays des merveilles, Marie-Lé Noël, encore la même chose, encore un duo. C'est un duo que j'ai fait avec Sylvie de la chaîne S'il et ses loisirs. Donc le voici, le voilà. Ah, je vais relever. Je peux pas. Voilà. Attendez. Hop, voilà, un peu plus. Voilà. En fait, j'ai travaillé avec les crayons de couleur Xenacolor. Pour les deux coloriages, j'ai fait la même chose, en fait, à peu près. Xenacolor et Fourneau Color 2. Pour celui-ci. Et puis pour l'autre qui est un peu plus loin, là, voilà. Vous voyez, j'en ai fait deux dans ce bouquin-là pour le duo avec Sylvie. Bien sûr, j'ai utilisé du Mod Podge et du Posca blanc pour tout ce qui est l'dange. Là aussi, du blanco, n'importe quoi, du Posca blanc, marqué du blanco, oui, c'est faisable. Hein. Et puis là, les ailes avec du Mod Podge et du Posca blanc. Voilà pour ce bouquin-là. Après, dans ce bouquin-là, Fairy Fantasy 3 de Christine Caron, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci, regardez, ce modèle-là, ce coloriage-là. Crayon de couleur Coloria Imaginor. Mod Podge, bah oui, rebelote. Il y a des ailes d'ange, donc j'ai ressorti mon Mod Podge. Et j'ai fait un fond au Magic Paint de chez Décoru. Oui, je me suis amusée avec le Magic Paint. J'ai fait une base d'aquarelle bleu ciel, puis après je me suis amusée à vaporiser du produit pour faire cet effet. Regardez. Vous voyez? Pour faire l'effet. Comment ça s'appelle un effet comme ça? Tiens, je me souviens plus. Enfin, c'est pas grave, je ne vais pas passer une lumière dessus, mais c'est un nom cet effet-là. Enfin voilà, et puis des petites taches par-ci par-là. Je me suis amusée à tâcher. Et le dernier, c'est Flora. Toujours pareil dans le livre de Christine Caron. Le voilà. Voilà Flora. Alors là, c'était. J'ai fait. Et toujours pareil. Crayon de couleur Coloria. Imaginons. Que ça. J'ai pas été chercher plus loin, j'ai pas cherché compliqué. Je me suis dit que par moment la simplicité. Vous
C'est rare que je laisse un personnage comme ça sans faire de petits fonds ou de contours à la couleur. Mais là, je sais pas, ça m'a interpellée comme ça et je trouve que j'ai bien fait. C'est magnifique comme ça. J'aime bien. Donc, si ça me plaît, c'est très bien comme ça. Voilà pour cette fois-ci, pour les coloriages terminés de ce mois. Écoutez, ça a été vite, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de partager. Je souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.